En fait, le truc, c'est qu'il y a deux types de tchal. Il y a les tchal qui sont tchal juste parce qu'ils sont bons au jeu. Et il y a les tchal qui sont arrivés tchal en vendant leur daron à chaque game à jouer des compos rerolls dégueulasses et qui OTP des trucs qui ont. En étant en OTP des trucs les plus disgusting, tu vois. Et bah, en fait, quand tu tapes ces gens-là dans tes games, tu joues pas vraiment contre un joueur, tu joues contre un bot. Genre, il sait ce qu'il va jouer avant d'arriver dans la game, tu vois. Et donc, entre ça et les mecs qui jouent Abomination en full forcing, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas quoi prendre là. J'ai. Et donc en fait c'est plus du PVP maintenant TFT, c'est du PVE. Et donc en gros ta game est pas décidée par comment les gens jouent, mais est-ce qu'ils trouvent ou pas quoi. Non mais c'est pas du flame, je suis très sérieux hein. C'est genre c'est facile de forcer une comp, genre c'est facile les compos slow roll, t'arrives au 6, tu slow roll. Bah un mec en faisant ça, il peut climb chal mais pas beaucoup plus haut, tu vois. Ces compos elles sont tellement faciles à jouer que c'est impossible de faire des erreurs en jouant ces comps là, tu vois. Puisqu'en plus ils jouent tout le temps de la même manière. Donc en fait tu joues pas contre des joueurs, tu joues contre des pourcentages de chance en fait. Je suis très sérieux hein. Et c'est je peux pas l'expliquer mieux que ça. Tu joues vraiment contre des odds en fait. Tu joues contre des pourcentages. Voilà. Tu joues contre des odds quoi. Enfin c'est tout. Y a pas d'autre manière d'expliquer le truc. Oh. Ce serait pas une game forgotten là. C'est anecdotique anyway. Ok, on a tué une unité, c'est bien. Si il jouait smart, t'es sûr que ça changerait le pourcentage joué? Parce que tu jouerais vraiment contre des joueurs et pas juste contre des odds. En vrai, c'est peut-être une Game Warwick 3 et compagnie hein. Là je m'en bats les couilles, je suis en mode no care mais total quoi. Je suis chaud de tester. Allez. Je pense que si on teste pas maintenant, il y aura pas d'autre occasion de le faire quoi. On a demi Runan, demi Archange, Vayne 2, de Warwick, full Forgotten dans les rolls. Let's go hein. On gagne un round. Incroyable. Let's go. En vrai, la game va être incroyable. Vous me croyez ou pas hein, si je vous dis que la game va être exceptionnelle. Allez vous chercher des petits popcorn parce que là, ça va commencer. Oh, ma, je vais l'atomiser, lui. Oh là là là. Shadow Ionic. Oh putain, on va s'amuser. Let's go, on va enfin s'amuser. Allez Warwick. Allez Warwick, tu peux le faire, je crois en toi Warwick. Allez Warwick! C'est quoi Ionic maudit? Bah c'est comme Ionic, mais du coup c'est maudit en fait. En fait, tu stack. Chaque fois qu'il y a un perso qui caste autour du perso, du porteur, tu gagnes 10 d'AP. Donc là il a 20 d'AP, puis 30, puis 40, etc. quoi. Par contre, contre Elion, tu te régales. Les petits resets là, ma. Oh là 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 là. Ma. Oh là là. Petit Runan Vayne. Comment ça mage? Elle te vend pas du rêve ma compo? Jure tu vas pas aller te coucher avec un grand sourire quand tu vois une game comme ça? Exceptionnelle cette compo, elle a tout. Par contre, attends.
Attends. C'est ça, hein. Ça part. Il a vraiment tout, Warwick, hein. Maintenant, faut juste qu'il passe 3. Que Vayne passe 3, passer en 6 Forgotten, rajouter un peu des synergies. Bim bam boum. Bim bam boum. Les loups. Shones. Respecte le loup, s'il te plaît. Tu crois que. Bon. T'as vu un round ou deux. On est tombé sur le mec à 100 HP. Il joue Riven. Il a Slam Sunfire. Tu crois que c'est nul. Mais t'inquiète. Ça va, Erdemson, on te dérange pas? Faut de l'aide? Oh là, quand il y a des resets comme ça, ma. Par contre, la Vayne, elle va aider, je pense. Enfin, la hache, elle va aider. Parce que maintenant, Vayne va avoir des putains de dégâts. Et va prendre un peu le relais, tu vois. Moi, je suis chaud de prendre un Shadow Arc. Sinon, il y a Shadow Tear qui peut être cool. Après, il y a Bramble Vest. C'est comment Bramble Vest? Moi, j'aime bien Bramble Vest. Je pense qu'il faut qu'on prépare la frontline. Genre par exemple, là on peut juste poser ce Nunu et lui mettre Bramble. Un petit roll ! Let's go ! Toujours un petit roll ici. Ça fait pas H2 par contre. Parce qu'H2, j'aime pas trop l'hydrogène. La tech c'est Warwick Coven, Kilo S au premier cast. Je sais pas. Je pense que Forgotten, il est l'OS aussi au premier cast. Quand t'es en 6 et que t'as les full stack. Tu joues quoi? Abomination? Bravo. Nunu 2? Oui. Kalisto. Ouais, ok. Tu es un bon joueur? Bravo. Je te congratule. Mais surtout con. Le gratule, on verra après. Ah, Slam Locket, GA, Blue Buff, ouais, mets la baguette aussi, ouais, vas-y. Ça joue. Non, mais ça joue au jeu, hein. Allez hop, reset, encore un reset. Warwick stop, les fait un truc. Aïe. Allez. Mais j'avais tellement de Warwick, j'en trouve 0. Allez, ça partait trop bien, là. Me déçois pas comme ça, là. Ok, d'accord. Au moins on a des bons trucs là. Ça c'est bien. C'est très bien. Faut pas tomber dans le piège de faire tout 3 stars non plus. Non, je vais juste mettre l'arc. Que Blue Buff est un Shadow Blue Buff sur un Rise ou quoi, ça peut vraiment faire le taf. Et statique. Autant j'aime bien statique pour réduire la MR. Oh là. Oh, il commence le Warwick tout doucement à faire monter la sauce. La petite sauce Dallas. Sauce Dallas! Sur les boulettes! Oh mama. Et tu mets la sauce sur la boulette.
crois que c'est le C4Go là, non? Oh, il faut que Nunu. Et H. Bramble. Sauce Dallas. Et tu mets la sauce sur la boulette. Oh, cri, 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 cri. Mais c'est cringe! Frérot! Arrête, laisse-moi jouer! Putain! Oh, on est mort! All Shadow Blue Buff Kindred! Mama! Tu veux? Tu veux? Hop là! À tout, ma con! Un autre assassin? Mama. Hop là, reset dans ta grand-mère. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vas-y, baisse les yeux, baisse les yeux. Venez, on roule un peu là. Voilà. Mamma mia, pizzeria, this is a beautiful. Ah ouais, Draven 2, Mordekaiser 2, Taric 2 au niveau 7? Mais tu es plutôt stacked? C'est quoi ton pseudo? Possable. Plutôt fort, Hector. Plutôt musclé, Hervé. Oh les resets. Oh, il est parti. This Warwick is going crazy. Par contre, Rise, c'est illégal. Attends, attends. Mais il a tout de Warwick! Il a tout de Warwick! Qui a mal parlé de Warwick? Ah, les non-believers. Ah ouais, frérito? Tu joues Karma? Oh. Oh, c'est cringe, frère, je peux rien tuer. J'ai pas d'anti-heal et il joue 30 Dawnbringer de merde là. Hello, any Rise? Mais c'est tellement mal. Mais y'a tout pour m'empêcher d'avoir des resets en fait! Mais gros, sa Kindred, elle a tenu tout! Hello? Merci. Quand j'ai des resets, ça se passe bien, mais... Quand j'en ai pas, c'est rapidement un drame. Hein. Bon, par contre, le Rise Shadow Blue Buff, il fait du bien. Hein. Avec Kindred dans le même rôle. Oh, t'as trouvé Garen 2, tu vas faire un bottom? J'ai pas de chance, frérot. C'est pas mon problème, ça. Allez, va te faire foutre. Je pense que Viego, c'est plutôt un truc sympathique, non? Y'a pas un Rise, c'est pas très newer, mais flemme. Genre plus d'archange, bah frère. Enfin! Ok, il faut que Viego aille là, qu'il aille à gauche. Ouais, là c'est bien aussi. Non, c'est bien. Très très bien. Bien joué. Bien joué, Viego. Tu as gagné. Ma reconnaissance. J'ai peur des assassins en fait. Whoopi le juste. Je suis contre Whoopi le juste.
Allez, allez. Mais putain de sa mère, c'est pas possible! Mais monsieur, mais putain, mais ça me casse les couilles, gros! C'est un truc de fou! Il y a tout qui se passe de travers! C'est pas possible! C'est jamais Warwick 3, c'est trop trop nul. Si je bottom, je m'explose la tête contre ma table, c'est exactement ce que je vais faire. Si tu bottom, tu dois passer miaou miaou waf waf de cactus et mammouth. C'est mort de chez... Miaou miaou waf 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 wa